Et en fait, notre chambre, elle n'est pas dans le même couloir que toutes les autres chambres, mais elle est spéciale. Je vais vous faire visiter. C'est Jane qui nous ouvre. Alors, de ce que j'ai compris, en rentrant, petit porte-manteau et on a les toilettes, c'est ça? Ok. Oh, il y a une fenêtre qui doit donner sur une cour intérieure, j'ai l'impression. Ensuite, ici, on a une première chambre avec des lits superposés, une armoire, de quoi poser la valise, une petite commode et oh, ah, c'est super sympa la vue comme ça sur l'intérieur. Ouais, t'as vu, c'est tout fleuri. On dirait qu'on peut aller là-haut, qu'il y a des tables et des chaises et tout. Mais je ne sais pas si ça dépend de cet hôtel-là ou d'un voisin. Et ensuite, coucou Sam, regardez la taille de notre chambre. Elle est La juste taille du lit. énorme. Ah ouais, le La lit. taille du Non, mais lit. attends, c'est deux lits ensemble, quoi. C'est genre. Oh là là, c'est vrai qu'il est hyper large maintenant que je le vois, que je me mets devant. Ouais. Incroyable. Donc, petit bureau. T'as vu, c'est les radiateurs à l'ancienne. Ouais. Il a un style vraiment. C'est à l'ancienne, quoi. C'est ça. On a un grand miroir J'aimerais super. de ce côté. Voilà. Le miroir est trop beau. Oh, il serait bien chez nous, celui-là aussi. Et donc, la salle de bain est de ce côté. Oh, c'est joli. Ah, par contre, les salles de bain, je pense, elles ont été refaites, genre toutes modernes et tout. Mais en gardant le cachet, oh, c'est super mims et c'est hyper spacieux. Bon, bah, moi, je dis, on va être trop bien. Allez, le temps de poser les affaires, de décider où est-ce qu'on va manger. Je sais pas vous, j'ai faim. Je vous ai pas montré, mais on avait la télé ici, la petite commode, pareil, qui fait hyper. J'arrive pas à trouver le terme depuis tout à l'heure. Ça aide-moi. Je veux pas dire authentique, mais genre un peu rustique, tu sais, un peu Ouais, vrai, quoi. elle est dans son jus. Ouais, c'est ça. Et j'aime bien ce côté, bah ouais, Ancien. ancien et authentique. Ouais. Donc, ouais. La petite cour, ouais, c'est très sympa. Je disais, ouais, je sais pas vous, moi j'ai faim. J'ai pas faim. Donc, on va regarder où est-ce qu'on va manger et on y va. Ouais. Bonne idée. Alors, on est au gourmet des Galeries Lafayette et on s'est dit qu'on allait tester une petite adresse qu'on connaissait pas encore. Je vous montre juste, on est assise avec Jen juste contre la vitre. Donc, on a vu Ouais, sur parce que moi je les suis pas galeries. assis là. Ben non. Donc en fait elles sont assises. Yes. Ah oh, oui, bah, parfois je m'embrouille un peu. Hein. Bref, vous aurez compris. Et là déjà. On a des. En fait, c'est des mac and cheese. Oui, parce Et qu'en en fait, c'est fait, des mac c'est. and cheese, donc des Dans des... arancini. Ouais, c'est Donc c'est super devenu un rigolo. mac and Donc, on cheese. s'est dit qu'on allait Oui, tester. on Voilà, aime bien voilà. tester. Et ensuite, ben, on vous montrera ce qu'on a commandé. Ça a l'air très chouette. Qui c'est qui commence? Sam, le Commence. test. C'est chaud? Je pense que c'est chaud, hein. On sent bien mac and cheese? C'est chaud. En fait, il sert de cobaye. C'est bon. C'est étonnant? Ouais? Oui. Bah en fait, faut attendre d'avoir toutes les saveurs. Ouais, Je bah vais ok. faire une des pâtes, enfin des coquillettes. Attends, on voit pas. Attends. Ah ouais, ok. Oh, c'est rigolo. C'est bon? Bon, C'est bah chaud allez, de hein. manger maintenant, Let's ça? go. Moi, je vais le couper. Oh là là. Tu fais des manières. Hein. J'adore la pause. Alors. Alors attendez, je vais préparer que toi, comme ça je peux en mettre partout. Mais j'avais pas de couteau, je t'ai fait J'en ai confiance. pas mis partout, moi. Ouais, oh, quand on coupe, ouais, vraiment, il y a le T'as fromage qui vu? fait. Je vais m'en Ah, sortir. super bon. Je suis à Regarde le 3 km de cheddar. l'assiette, je suis désolée. Ouais, ça fait. C'est très, très, très bon. Déjà, ça sent très bon. Oh oui, hein. Très, très bon. C'est bon, hein? Super bon, ça. Validé. Vraiment. La suite est arrivée. Du coup, ici, on a un burger Oui, revisité. revisité Ouais. avec des Je le frites. regarde. Oh ouais, non mais ah, attends, là, ouais, très très sympa. Servi avec une petite salade. Moi, j'ai pris des frites, mais cajun avec une confiture de tomates. Ça a l'air super bon. Et par ici, on a un hot dog, mais c'est le spécial. Signature. Signature, Signature. voilà. Si c'est pas une saucisse de fond Ouais, et puis C'est une même saucisse au piment d'Espelette. la garniture et tout, il y a de la moutarde, je crois, il y a des Ouais. pickles, ça, vraiment Il y a très de sympa. tout, hein. Servi aussi avec Salade. frites et petites salades. Régalez-vous. La sauce, elle est incroyable. C'est vrai? La confiture de Ah. tomate, c'est incroyable Fais aussi. attention parce que du coup, il y a une frite qui va se balader dedans. Ah! D'accord. J'y retourne.
Il y a bagarre. Attendez, j'ai pas encore goûté, j'arrive. Ah, c'est bon, j'arrive à l'atteindre. On joue pas avec les couverts, monsieur, c'est très mal poli ça. Oui. T'as vu comment on fait pour récupérer la sauce? Là, il y a Sam et Jen qui me disent, on prend un dessert. Non, mais ici, on ne sait pas quoi prendre comme dessert. Il y a trop de choses partout parce qu'en fait, les gourmets, c'est ça l'histoire. Des gourmandises dans tous les coins. En fait, il y a plein de petits corners comme ça. On a Jen et Sam qui rigolent et en fait, plein de gourmandises partout. Vraiment. Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle cherche à partir comme ça? J'en peux plus de vous. Est-ce qu'on peut dire qu'on est incorrigible? Toi surtout. Est-ce qu'on peut dire qu'on est chez Adidas? Non, parce que je vous ai dit que le modèle que je souhaitais, il est out of stock de partout. Mais Sam, il s'est dit qu'il allait demander, même si sur le mur, il n'y avait que des grandes pointures. Et regardez, 36, elles y étaient. Parce trop cool. Vie, on sait jamais. On sait jamais. Et la seule chose que tu risques, c'est un an. C'est ça. Mais ça aurait pu s'arrêter là. Ouais. S'il n'existait pas les SL 72. Attends, ah, j'y arrive pas. Dans la bonne pointure pour Sam. Du coup, on a tous les deux craqué pour des chaussures qui sont de la même couleur. C'est juste le modèle qui est différent. Et Jen est en train d'essayer le modèle argenté DSL, mais il n'y a pas sa pointure. Mais on va te la trouver, c'est ouais, pas grave. C'est elles sont belles. Ouais, ouais, ça te va trop bien. Est-ce qu'on serait pas sur un petit custom de SL 72? Bon, on va lui trouver la bonne pointure. Et du coup, on a décidé de lui customiser parce qu'il y a un stand exprès ici aujourd'hui. J'adore. Regardez, on peut tout choisir. Les lacets et des charms. Ouais. Là, c'est un exemple qui a été fait. Qu'est-ce qu'on peut réaliser? C'est trop, c'est trop beau. Donc, bah voilà, tu vas laisser libre cours à ton imagination. On va voir c'est ce que ça donne. Déjà, elle s'est dit qu'elle allait partir sur des lacets comme ça en dentelle, broderie. Les broches. Oh, wow. Je sais pas si je prends la petite avec juste les quatre paires. Ça rappelle un peu ton sac, je trouve. C'est ça. C'est excellent. Ah, c'est joli, les perles et tout. Tu peux même mettre des petits nœuds, t'as vu? Ouais, ouais, des petits nœuds. C'est calme. Là? Non, vraiment, oui. À la pêche au bleu. Oui. C'est du noir, hein? C'est du noir? Oui, ah oui, c'est pas bleu ça. Non, le bleu, c'est vraiment du bleu. Mais c'est le bleu que t'aimes en même temps. Ouais, ouais, ça pourrait, parce que c'est bleu là. Ouais. Ça y est, j'ai ma son petit pochon. Oui. On montrera ce que ça donne sur les baskets. C'est le copain de Jen. On se retrouve de bon matin. Oui. On attend un taxi parce qu'on a rendez-vous au Pâté Palace. Oui, parce qu'on vous a pas dit pourquoi on était à Paris. Il y a quelques temps, si vous vous souvenez, on était allé à Prague pour un tournage. On a été figurants et tout, c'était trop cool. Et bien aujourd'hui, on va à l'avant-première Family and Friends. Donc, on est un petit peu en avance. On va arriver sur place, ça va être tranquille, le temps peut-être de boire un petit café. Et oh, j'ai trop hâte, je sais pas vous, mais j'ai trop trop hâte de voir le film. Ça va être trop bien. Let's go. Coucou. Merci pour ce que tu viens de dire. Dis donc, je me suis dit là-haut, c'est pas moi qui l'ai en train d'appeler, il y a quelqu'un d'autre. C'est formidable. Et tu disais que tu avais volé le talent. Je te le laisse. Je prendrai celui de Tom Cruise. Et moi je vous remercie beaucoup. Et à tout le monde, bien sûr. J'ai très hâte de le voir en spectateur. Et je trouve ça super de voir un film en spectateur. Mais je l'ai lu et je l'ai joué. Donc je sais à peu près de quoi il parle. Tu vois à peu près de quoi ça parle. Ouais, je vois de quoi ça parle. Merci beaucoup. La production va commencer. Le village s'endort. La nuit tombe. Et alors on rentre sous la pluie. Quand on est arrivé, il faisait hyper beau hier. Ouais. Et ce matin, on a senti que c'était un peu humide. Et voilà, là il tombe un petit peu quelques gouttes. Il y a du brouillard sur la tour Eiffel. Ouais, Jen, ouais. Elle a regardé et dit, oh, regardez, il y a du brouillard sur la tour Eiffel. Il y a la moitié qui est effacée. C'est incroyable. Et du coup, j'allais dire aussi, le film était génial. Hein. Ouais. C'était trop cool. Alors, dans un chaos, on est très loin les uns des autres. À filmer, c'est pas évident. Mais ouais, c'était trop bien. On a adoré. On peut pas vous en dire trop. On veut pas faire de spoil, mais c'était trop cool. On a trop hâte de pouvoir le re-regarder. À partir du 23 octobre sur Netflix, voilà. Et aventure, j'allais dire presque qui se termine entre guillemets,
parce que nous, on repense à quand on est allé à Prague, sur le tournage et tout. Et maintenant, on va pouvoir regarder le film quand on veut, à partir du 23, et ça va être trop cool. Alors, moi, je sais pas vous, j'ai trop hâte de le regarder. Hein. Aussi. Je suis sûre qu'il y a plein de choses que j'ai pas vues, des petits détails et tout, et que je vais vraiment apprécier de le revoir à nouveau. On se fera une soirée loup-garou, c'est ça, tous ensemble. Yes! C'est bon, on est bien installés dans le train. Et avant de prendre nos places, on est passé au merveilleux pour prendre les petites brioches au chocolat. T'as pris quoi, toi? Juste la brioche au chocolat pour nous. T'as pris quoi en plus pour toi? J'ai pris des pains au lait. Pris brioche au sucre. Parce que peut-être Eh ouais, on a ramené quelque chose pour Justice aussi. Et au passage, je vous ai pas montré, mais lors de l'avant-première, on nous a distribué des jeux. Trop cool. Ah oui, parce qu'en fait, on vous a pas dit, mais lors de cette avant-première, forcément, on a revu les personnes qu'on avait rencontrées sur le tournage. Donc vraiment, c'est pas trop que cool. Mais pas que. On a aussi la chance de rencontrer le créateur du jeu. Oui. Et loup-garou de tiers ce lieu. Et ça, c'est carrément génial parce qu'on a pu échanger un petit peu avec lui et lui dire que voilà, on adore trop son jeu et que c'est trop cool et qu'on passe des dimanches entiers à jouer tous ensemble ça. Et que c'est grâce à lui pour jouer en famille et tout. Ouais. Ouais. Donc voilà, c'est une anecdote très cool.